450 000, c'est le nombre de kilomètres déjà parcourus par Robert depuis qu'il s'est pris de passion pour le vélo il y a maintenant 33 ans. Aujourd'hui, à 101 ans, il tente d'établir un record du monde, 100 km sur piste, catégorie plus de 100 ans. Partez ! Midi, passé de 15 minutes, Robert s'élance pour 100 km. Un pari fou qu'il s'est lancé en juin dernier. L'homme est un habitué des défis. À son compte, les 85 km de l'Ardéchoise, mais pas que. J'ai 4 paires de roubaix. Ouais. Mais pas en champion, hein. En cyclotouriste. Hein. Mais pour relever cette performance, Robert n'est pas seul. Il y a tout d'abord celui qui s'occupe de son vélo. Je suis en train de mettre un capteur de fréquence cardiaque, un capteur de vitesse. Donc, c'est les deux choses qu'il faut voir pendant les tests. Et ses amis qui s'occupent de lui. Il a déjeuné confortablement, c'est-à-dire qu'il a mangé des pommes de terre avec un œuf à la coque. Il a mangé une banane, un yaourt. Il veut prouver qu'à son âge, on peut encore faire du sport et pédaler comme il va le montrer aujourd'hui, quoi. Après plus de 4 heures d'effort, Robert boucle son 300e tour. Le centenaire est champion du monde du 100 km sur piste. Ben, je me sens bien un petit peu, comment dirais-je, un peu fatigué, quoi. Ça serait mentir.